Jacques-Ville, je suis là. Donc, vous êtes sur Télé Afrique. Et puis, on est avec Louise Odia. Toujours dans la même continuité pour vous montrer des vraies opportunités en or. Donc, tout ce bruit que vous attendez là, ce ne sont pas des véhicules. C'est la mer qui est juste à côté ici. Donc, pour ceux qui connaissent Jacques-Ville, c'est une commune qui est vraiment prisée pour ses plages. Donc, ici, nous sommes à quelques mètres des plages. Et là, on va vous montrer des terrains. C'est un lotissement approuvé. Ce sont des découpages de 600 mètres carrés et des découpages de 500 mètres carrés. Donc, tout de suite, déjà, on va vous montrer les premières bornes. Voilà. Donc, vous voyez là où je suis arrêté. C'est la borne que vous voyez. Et ce ne sont pas des nouveaux lotissements, en fait. Donc, ça veut dire que ça... Comme en Côte d'Ivoire, on aime toujours attendre les autres commencer à construire avant de construire. Voilà pourquoi. Sinon, tout ici, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont acheté leur lot ici et qui attendent avant de construire. Donc là, depuis la borne, normalement, celui qui me filme, il est sur une voie. Et là, c'est dans un carrefour. Ici, là, non seulement vous avez une grande voie d'abord qui sera bitumée, la commune même est juste à quelques kilomètres. Mais comme vous le savez, les communes où qui sont les centres-villes, il n'y a plus de lots. Donc les lots, c'est au niveau des prolongements que vous avez des nouvelles lots, des nouveaux lots et des nouveaux terrains pour pouvoir avoir des biens dans ces communes-là. Donc c'est au fur et à mesure en Côte d'Ivoire ici que les gens construisent, que le lieu est habité, que l'État envoie l'électricité avec les voies. Donc c'est lorsque tout ici là sera construit, un bon nombre de personnes, que vous allez constater qu'ils vont envoyer l'eau et puis l'électricité. C'est un peu comme ça. Donc ici, ça sera une grande voie bitumée. Et après, il y a l'emprise de l'État avant de trouver la maison. Tout au bord, ça sera des plages. Et puis, il y a déjà même des plages. Hein. Il y a des gens qui ont des grands complexes hôteliers au bord là-bas. Vous voyez ici, ce sont les tricycles qui transportent des gens. Donc, il y a plusieurs personnes qui habitent dans ces endroits-là déjà un peu plus devant. Donc ici, c'est le village de Awia. C'est à Jacques-Ville, le village de Awia. C'est à juste 2 km de la commune que vous connaissez. Donc, toutes ces zones que vous voyez là, faites des captures et puis vous gardez ces vidéos. Si on revient ici dans 6 mois ou bien dans une année, vous n'allez pas reconnaître tout ce point-là. Vous allez trouver des complexes hôteliers, vous allez trouver des plaines, vous allez trouver des étages. Donc, c'est une zone qui est vraiment plate. Vous voyez le relief impeccable. Il n'y a pas de parcours et puis c'est facile à construire. Il n'y a pas de roche, donc regardez le sable et puis le coin est très bon. Donc comme je le dis, pour tous ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre les numéros des commerciaux de Louise Odia. C'est les numéros là que vous voyez. Ce n'est même pas la peine de poser où sont vos contacts parce que les numéros s'affichent sur l'écran de votre télévision. Vous voyez les numéros qui sont là. J'ai mis Louise Odia, service commercial. Donc appelez directement ces numéros-là. Il y a des gens qui vont vous répondre pour vous donner tous les détails. Donc Louise Odia, vous avez la possibilité de payer soit vos terrains cash ou bien par échelonnement. Donc pour toutes les informations, si vous avez des parents, vous les envoyez au siège ici à Abidjan, c'est à la Riviera 2, juste derrière Doraville. Si c'est en France, vous vous rendez directement sur le siège. Dans ce cas, vous contactez le numéro de France qui s'affiche et puis vous vous rendez sur le siège. Depuis là-bas, vous pouvez faire votre souscription. C'est l'entreprise actuellement qui vous aide, les Ivoiriens de la diaspora, à sécuriser vos biens en Côte d'Ivoire. Que vous achetez avec Louise Odia ou pas, mais vous pouvez les contacter pour sécuriser vos biens ici en Côte d'Ivoire et puis aussi pour vous accompagner dans vos projets de construction. C'est une entreprise qui innove, voilà, et puis on vous aide. Vous avez des catalogues, vous avez des suivis sur vos travaux, vous avez des informations, on vous contacte. Dès que vous appelez, il y a des conseillers qui vous répondent. Donc ça crée une certaine familiarité en fait. Et puis, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont des biens avec Louise Odia et puis qui continuent de nous envoyer des clients. Merci beaucoup à vous, continuez de nous faire confiance. Et pour bénéficier de ces opportunités-là, il ne faut pas attendre dans 3 mois, 4 mois avant de nous appeler parce qu'on n'a plus assez de terrain ici. Dans cette zone, je pense que nous avons 11 lots disponibles. Voilà, 11 lots disponibles. Donc, les premiers venus seront les premiers servis. N'hésitez pas, contactez-nous et puis vous n'allez pas regretter votre choix. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.